Bonjour mes chers élèves! Dans la séance d'aujourd'hui, on va voir comment créer une présentation avec PowerPoint. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel. C'est quoi PowerPoint? PowerPoint est un logiciel de présentation avec lequel je peux créer des diaporamas. Ce logiciel PowerPoint, il me permet de faire un exposé, une recherche ou un cours. Maintenant, on va voir comment on peut faire notre présentation sur PowerPoint. Allez, suivez-moi! L'exemple qu'on va suivre durant notre séance est le suivant. On va faire une petite présentation sur l'ordinateur. Pour cela, on doit tout d'abord lancer une nouvelle présentation. On va dans la barre de recherche et je vais taper PowerPoint. Donc, comme vous remarquez, j'ai l'application PowerPoint qui s'affiche. Donc ici, j'ai la version 2013. Ça dépend de la version que vous l'avez sur votre ordinateur, bien sûr. Je fais clic gauche et là, je lance mon logiciel. Ici, je vais choisir « Nouvelle présentation ». Je clique et je trouve ma présentation sur laquelle je vais travailler. Avant de commencer, la première des choses que je dois faire, c'est que je dois appliquer un thème à toute ma présentation. Pour choisir un thème, je vais dans l'onglet création. Dans l'onglet création, je trouve des regroupements. Donc, je vais sur le regroupement thème. Et là, j'ai plusieurs thèmes de mon choix. Et ces thèmes, ça dépend de la version de Microsoft Office que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi, je vais choisir un thème parmi les thèmes que j'ai ici. Je vais choisir ce thème-là. À côté, vous allez trouver variantes, c'est-à-dire les différentes couleurs ou bien la variation de couleur du thème. Je peux choisir le vert, le bleu, le rose et le vert avec du noir. Donc là, c'est le même thème, sauf qu'il y aura des variations au niveau de couleur. Et moi, comme je vous ai dit, je vais choisir le thème vert. Maintenant, je vais commencer à écrire mon titre. Je clique là et je commence à taper mon titre. Ordinateur. Je vais lui appliquer une mise en forme. Je sélectionne mon titre. Je viens dans l'onglet accueil. Dans le regroupement police. Je vais choisir une police. Donc, la police que j'ai choisie pour cet exemple, c'est Chiller. Je peux la taper ou bien la chercher. Voilà. Maintenant, je vais agrandir la taille de mon titre. J'ai deux possibilités. Soit que je l'agrandis à partir de là, en choisissant la taille que je veux, ou bien je vais venir là où il y a le grand A. Je commence à cliquer, voilà, et comme ça, mon titre commence à s'agrandir. Dès que j'obtiens la taille que je veux, maintenant, je vais centrer mon titre. Pour le centrer, je reste toujours dans l'onglet accueil. Je viens sur le regroupement paragraphe et là, je centre mon titre. Et voilà, j'ai appliqué une mise en forme à mon titre. Toujours, pour un exposé, une recherche ou un cours, je dois écrire « Il est réalisé par qui ?» Donc, je viens là et je tape « Réalisé par » voilà, « Madame Fermi ». Et voilà, avec ça, j'ai pu remplir ou bien écrire sur ma première diapositive. Mais je dois faire venir cette zone de texte tout en bas. Voilà. Et je vais rétrécir sa taille. Comme ça. De cette manière-là. Et
Voilà. Je vais la placer tout en bas, comme ça. Et voilà, ma première diapositive est bien faite. Pour ajouter une nouvelle diapositive, aussi, on a deux possibilités. Soit que je viens dans l'onglet Accueil et je clique sur Nouvelle diapositive et ici je trouve plusieurs choix de diapositives. Ça dépend de la diapositive que je veux créer ou bien du texte que je veux écrire. Le type de diapositive que je vais choisir, c'est une diapositive titre et contenu. Voilà. Donc là, je vais taper mon titre. Voilà. Ordinateur. Je sélectionne mon titre. Je lui applique une mise en forme comme d'habitude. Voilà. La police que je vais choisir, c'est Chiller. Voilà. Je vais agrandir avec le grand A ici. Je sélectionne mon titre et je commence à agrandir. Je vais centrer mon titre. C'est comme ce qu'on fait déjà sur Word. Donc, je suis en train d'appliquer une mise en forme. Et là, je vais commencer maintenant à écrire la définition d'ordinateur ainsi que les différents types d'ordinateurs. Maintenant, puisque j'ai tapé mon paragraphe, je vais maintenant faire une mise en forme à mon paragraphe. Je veux ajouter une puce à ce premier paragraphe. Pour le faire, je pose mon curseur devant la phrase, je clique sur l'onglet Accueil et je vais sur le regroupement paragraphe et je choisis ici le type de puce que je veux. Je vais choisir ce type-là. Par la suite, je vais sur ce deuxième paragraphe. Je pose mon curseur devant la phrase et je choisis aussi le type de puce. Et voilà. Maintenant, ici, comme vous remarquez, j'écris « On distingue deux types d'ordinateurs ». Donc là, c'est un sous-paragraphe. Alors là, je vais appliquer un autre type de puce. Toujours dans le regroupement paragraphe, je choisis un autre type de puce. Je choisis par exemple ce puce-là, cette puce-là, pardon, et aussi je choisis ici cette puce. Mais ce que je veux faire, je veux qu'il soit un sous-paragraphe et qu'il soit un peu décalé. Pour le faire, je sélectionne mon sous-paragraphe et je tape sur tabulation. Tabulation, c'est ces deux flèches que vous remarquez ici. Voilà. Maintenant, je veux appliquer un interligne. Donc, l'interligne, c'est l'espace entre les lignes. Pour le faire, je dois tout d'abord sélectionner tout mon paragraphe. Je vais toujours sur le regroupement paragraphe. Je vais cliquer ici sur l'option là où il y a les deux flèches, l'une en haut et l'autre en bas, et je choisis un interligne. Donc, je vais choisir par défaut 1,5. Et voilà, j'ai terminé ma diapositive. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle diapositive. La diapositive que je veux ajouter, elle contient un titre et une image. Pour cela, je vais choisir le type de diapositive titre seul. Je clique. Donc là, je vais écrire mon titre, c'est ordinateur de bureau. Je vais ajouter l'image d'un ordinateur de bureau. Je vais appliquer une mise en forme à mon titre. Je vais choisir toujours la même police, Chiller. Je vais agrandir la taille avec ce grand A, de cette manière-là. Et je vais centrer, je choisis la taille 66, et je vais centrer mon titre.
Maintenant, pour insérer une image, je vais sur l'onglet Insertion et je vais choisir ici Image. Comme vous remarquez là, il y a plusieurs choix. On va choisir Image. Qu'est-ce qu'il me demande là? Il va m'ouvrir une fenêtre. Il va me dire où se situe ton image. Ou bien, je dois choisir le dossier qui contient mon image. Donc, tu dois à l'avance télécharger ton image. Pour télécharger une image à partir d'Internet, je dois aller sur mon navigateur. Sur Google, je vais taper, par exemple, puisque je cherche ordinateur de bureau, je vais taper ordinateur de bureau. Et je lance la recherche. Mon but, c'est d'avoir des images. Voilà, donc je vais sélectionner ici « Images ». Et là, il va m'afficher plusieurs images. Par exemple, je veux cette image-là. Je clique droit et je vais cliquer sur « Enregistrer l'image sous ». Ici, il va m'afficher une fenêtre et je dois indiquer dans quel dossier je vais enregistrer mon image. Moi, je vais enregistrer mon image dans, par exemple, cours PowerPoint, périphérique, ou bien je peux l'enregistrer seulement dans ce dossier-là. Et je vais écrire « Ordinateur de bureau ». Et je clique sur « Enregistrer ». Voilà, j'ai téléchargé mon image. Je reviens à mon logiciel ou bien à ma présentation. Je clique sur « Images ». Je choisis le dossier là où j'ai enregistré mon image. C'était sur cours PowerPoint. Voilà. Je vais chercher seulement mon dossier. Voilà. Et voilà mon image ordinateur de bureau. Je clique sur « Insérer ». Et avec ça, j'ai pu insérer mon image. Je vais la sélectionner. Je clique seulement au milieu et je peux la déplacer comme je veux. Je vais la mettre au milieu. Pour le faire, je vais sur l'onglet Outils Images, Format. Et là, j'ai les styles d'image que je peux choisir. Pour choisir un style, par exemple, je peux la cadrer, je peux la mettre sous forme d'un ovale, comme vous voulez. Donc, par défaut, je veux lui mettre ce cadran-là, un cadre simple. Je clique et voilà, et je peux agrandir mon image, comme ça. Voilà. Donc, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure, pour insérer une image, on a trouvé ici plusieurs choix. Vous trouvez ici « Images en ligne ». Sauf que cette option, vous allez la trouver seulement dans les versions récentes. C'est-à-dire, pour ceux qui ont la version 2016 ou d'autres, il se peut que vous n'allez pas la trouver. Donc ici, tu peux chercher ton image directement à partir du logiciel. Tu lances et tu vas lancer la recherche ici, par exemple, « Ordinateur ». De bureau. Voilà, il va chercher automatiquement ton image à partir de cette option. Donc là, il est en train de faire une recherche. Dès qu'il te montre un résultat, tu vas sélectionner ton image. Voilà, je peux écrire encore ordinateur. Voilà, et il commence à chercher. Voilà, donc il t'indique ici, voilà les résultats que tu peux avoir. Donc, c'est pour cela que je vous ai montré la méthode que vous allez la trouver dans n'importe quelle version de Microsoft Office ou bien de PowerPoint que vous avez sur votre ordinateur. De la même manière, je vais faire une nouvelle diapositive qui contient l'image d'un ordinateur portable. Et voilà, maintenant j'ai terminé ma diapositive. Une remarque, je dois toujours enregistrer mon travail.
Si je l'enregistre pour la première fois, je vais cliquer ici pour l'enregistrer. Il va me demander de choisir l'endroit là où je veux enregistrer mon travail ou bien ma présentation. Donc, je clique sur ordinateur et je choisis le dossier sur lequel je veux enregistrer ma présentation. Par exemple, ici, exposé ordinateur. Et j'enregistre. Maintenant, mes chers élèves, je vous laisse entraîner à faire ces diapositives et je vous dis à la vidéo prochaine pour continuer notre présentation. Bon courage !